Ne se souvient pas de sa première job. Plongeur, serveuse, caissière, pompiste, camelot. On oublie sans problème le salaire et les conditions de misère, mais on se souvient toute notre vie de la fierté quand on recevait sa première paye. De la première carte de punch jusqu'à la retraite, le travail définit en somme qu'est-ce qu'on est. Patron, employé, salarié, chômeur, tout le monde cherche sa façon à lui ou à elle de gagner sa vie. Maison travaille plus que moi. Je chômais, je cherche une manière. Pour l'argent, gratis, peu d'efforts. Le travail, l'allergie, moi aussi. Bonjour, je suis Richard Séguin, artisan, faiseur de chansons. Depuis maintenant 3 semaines, Emmanuel Chapados de Moncton et Pierre Côté de Québec tentent de survivre avec un chèque d'aide sociale, soit 592 par mois. Quand ils vont me rester, supposons, 25 là, puis 10 jours à faire, là, pas sûr que je vais en trouver drôle. Au cours du dernier épisode, Emmanuel a payé 400 pour un appartement et on se demande comment elle va faire pour tenir jusqu'à la fin du mois. Le gars, il m'a laissé de la bouffe, là. Il m'a laissé à manger. Quant à Pierre, sa colocation commence à lui peser. Il aimerait ça se trouver une job. D'ailleurs, il passait une entrevue dimanche dernier. Dimanche après-midi, j'avais une entrevue chez McDo avec l'assistant gérant. Ça s'est très, très bien passé. Lui, il veut me donner une job en maintenance. Puis si je lui donne mon numéro de téléphone puis il peut faire la vérification, il me présentera son gérant. Alors, il me dit, t'es-tu habile un peu? Puis j'ai la misère à planter un clou droit, là. Fait que je oui, je suis débrouillard. Fait que c'est ça. Alors, ça pourrait marcher. Comment ça se fait qu'un gars comme Pierre, chef de sa propre entreprise, consultant réputé en marketing, il a de la misère à se trouver une job au salaire minimum? Rappelez-vous qu'on a modifié son CV. En fait, on a fait appel à un expert pour faire exactement le contraire de ce qu'il fait habituellement. On lui a demandé de démolir un CV au lieu de l'améliorer. Première caractéristique de nos clients, nous autres, c'est qu'il y a un trou dans leur CV. C'est-à-dire que les dernières années, ils n'ont pas été sur le marché du travail. Quand le dernier emploi remonte, je sais pas, à 2007-2008, l'employeur se dit, ben qu'est-ce qu'il a fait? On ne mettra pas trop d'emphase sur les emplois qu'il y a eu en marketing, en communication, etc., etc. Parce que là, si on voit que cette personne-là a du potentiel, et il peut se faire engager n'importe où. On peut y rajouter un peu de bénévolat, mais on va y faire des rencontres chez les alcooliques anonymes. Un CV, normalement, devrait être fait pour un type d'emploi. Je me cherche un emploi comme mécanicien, ben on va te faire un CV pour mécanicien. Si tu vas avoir un CV comme cuisinier, ben on va te faire un... Donc, on va y faire en plus un CV pour sport. 84 à 94, hein? T'es fondateur et PDG de son entreprise de communication. Hé, hey, là, c'est ça. Là, c'est... Et hop, à partir de là, 95, il est travailleur autonome. Ben comment? Il avait... C'était sa propre compagnie, puis là, il devient travailleur autonome. Puis après ça, il a été gérant, puis sa dernière job, c'était assistant gérant. Mais là, dans le cheminement de carrière, il y a quelque chose qui ne marche pas. Lorsque l'employeur commence à se poser des questions sur ton CV, il va prendre ton CV et il va le mettre à côté.
Malheureusement, la réalité, c'est souvent ça. Si t'as pas de compétences, ou peu ou pas d'expérience, il y a des grosses chances qu'on t'engage pas. Ou bien non, t'es fait pour des petits boulots, souvent mal payés, à des conditions bien ordinaires. Puis il y a ceux qui travaillent à temps partiel, les surappels, ceux qui se font slacker un mois sur deux, qui savent même pas s'ils vont travailler la semaine d'après. C'est pas facile de faire un budget dans ces conditions-là. Tout ce monde-là, malgré le cœur à l'ouvrage, la sueur sur leur front, font partie de ce qu'on appelle les travailleurs pauvres. Les working poor, comme le chantait Woody Guthrie. Un travailleur pauvre, c'est quelqu'un qui, bien qu'il travaille de façon régulière, un grand nombre d'heures, n'a pas, ne génère pas un revenu suffisant pour atteindre le seuil de faible revenu de Statistique Canada. C'est quelqu'un qui peut travailler à 13, 14, 15 $ l'heure et en dépit de cela, parce qu'il n'a pas suffisamment de travail, parce qu'il est sur des contrats à durée indéterminée et qu'il chôme entre les deux contrats, donc n'arrivera pas à atteindre ce seuil. Lorsque vous gagnez par votre travail moins de 25 000 $ par année après impôt et que vous avez charge d'une épouse ou d'un époux et de deux enfants, vous êtes un travailleur pauvre. Si vous êtes seul et que vous gagnez moins de 12 500, vous êtes un travailleur pauvre. Il y a des secteurs qui sont fortement associés à une rémunération minimale. Par exemple, tout le petit commerce. Dans le secteur de la couture, du vêtement, dans le secteur des services de sécurité, dans le taxi, dans le transport non qualifié. L'hôtellerie, la restauration sont des secteurs où on trouve énormément de travailleurs à faible rémunération. On peut dire qu'au Canada, en dépit de la période de prospérité économique qui a précédé la dernière crise, donc en 2007, la proportion de personnes pauvres ne baisse pas. Le marché du travail est devenu ce qu'on appelle globalisé, c'est-à-dire qu'il est inscrit dans une dynamique mondiale avec une concurrence extrême vers les bas salaires, ce qui oblige à réduire tous les systèmes de protection sociale, à commencer par les conventions collectives, les avantages sociaux, les pensions, etc. Pourquoi, dans les années 50, un chef de famille pouvait-il faire vivre une famille de 4, 5, 6 personnes? Bien, en fait, souvent, il occupait, même s'il n'avait pas une grosse scolarité, il occupait un emploi à temps complet, et souvent, c'était un emploi à vie, et pour le même employeur. Avec la crise des années 75-80, vous avez eu la création des emplois à temps partiel, des emplois temporaires. Il y a aussi une montée en flèche du travail indépendant, qu'on appelle souvent le travail autonome. Le travail atypique dans l'ensemble de ses formes, temps partiel, temporaire, travail autonome, concerne aujourd'hui plus du tiers de la main-d'œuvre, soit 37 % de la main-d'œuvre. Pourquoi il y en a autant ici? Mais il faut dire qu'il n'y a rien dans nos lois qui empêche les employeurs de créer ces statuts et de les doter de conditions différentes de ceux des salariés à temps complet. Pendant que des millions de personnes suent à grosses gouttes à l'ouvrage, Emmanuel subit la canicule du mois de juin. Mais imaginez-vous pas qu'à cela coule douce. Se chercher du travail, c'est une job à plein temps, surtout quand t'as pas de moyens de transport. Ouh! C'est chaud. Je suis allée à la grande bibliothèque, j'ai fait des recherches à l'Internet, répondu des courriels, des choses comme ça. Puis, pour revenir, j'ai marché. Pour ça que je suis en sueur. J'ai marché, je sais pas combien de temps ça m'a pris, peut-être une heure. J'ai arrêté une couple de places. J'ai trouvé un vélo pour 20 $. Bonne journée, c'est cool. Je m'a checké aussi tranquillement pas vite ce qui se passe au niveau du... de l'underground. Du noir, parce que... Le noir, il pose pas autant de questions pour engager. T'as pas besoin de CV. C'est un job à faire. Es-tu capable de le faire? Je te donne le temps. C'est ça, c'est ça. Donc,
plus simple, on va dire. Ça prend de l'organisation pour être sur l'assistance sociale ou pour t'es obligé d'être organisé si tu veux être bien, si tu veux survivre, même à ça, en tout cas. Puis si t'es itinérant aussi, toutes les ressources, il faut que tu sois timé, il faut que tu sois aux bons endroits, aux bonnes heures. La pauvreté aussi, ça peut être au niveau de l'éducation, tu sais. Je trouve que, tu sais, comme nous autres, on vivait dans un milieu très, très modeste, tu sais. T'apprends plus tard que quand tu restes à côté d'une voie ferrée, mais c'est pas toujours la partie la plus huppée du quartier, tu sais. Tu restes à côté de la voie ferrée, puis quand la maison est en carton, pas d'eau chaude, tu sais, puis... Mais nous autres, on s'en apercevait pas parce qu'il y avait la musique. Ma mère aussi essayait de rentrer des livres, tu sais. Fait que dans ce temps-là, pour moi, la pauvreté, il y a une pauvreté qui est inexistante. Parce que, je veux dire, t'as la part de d'autres choses, t'sais. Il y a comme des portes qui s'ouvrent, des imaginaires qui s'ouvrent. Il y a de l'horizon, t'sais. Chez nous, la musique, elle transcendait tout, t'sais. Le fait qu'il y ait un piano dans la place, on n'avait pas grand-chose, mais il y avait un piano. Puis la musique faisait en sorte que... on n'a pas vu ça. On n'a pas vu qu'on était dans un milieu pauvre ou qu'on pouvait nous arracher parce que... C'est ça, la musique transcende tout ça. Félix chantait que des 100 000 façons de tuer un homme, la plus sûre, c'était de te payer pour être chômeur. Je ne sais pas si le gouvernement a pris au mot Félix, mais toujours est-il qu'en 1996, il y a eu une grande réforme au niveau de l'assurance-emploi. Depuis, beaucoup de choses ont changé, et pas nécessairement pour le mieux. Est-ce que l'assurance chômage est un filet adéquat pour aider les petits travailleurs? À mon avis, non. Il l'a été pendant plusieurs années, jusqu'il y a probablement une quinzaine d'années, lorsqu'a eu lieu la fameuse réforme qui a vraiment, et les chiffres sont là, enrichi le gouvernement, a procuré une autre source de revenus au gouvernement, et entre autres en limitant, en réduisant de manière drastique les conditions d'accès et les montants d'accès pour les travailleurs. Avant la réforme, une forte proportion des chômeurs, de l'ordre de plus de 80 % avaient accès aux prestations. Maintenant, c'est autour de 40 % des chômeurs qui ont accès aux prestations. Que se passe-t-il si vous êtes un travailleur à temps partiel? Depuis 1996, vous êtes couvert. On peut dire bonne nouvelle, mais il y a un revers important, c'est que depuis 1996, vous devez travailler beaucoup plus d'heures pour vous qualifier au régime. Donc, les travailleurs atypiques cotisent dès la première heure de travail au régime d'assurance chômage. Ils sont plus susceptibles d'être en chômage, mais beaucoup moins susceptibles de recevoir des prestations. Il faut se rappeler quelle est l'origine de nos programmes sociaux, le chômage, la retraite, etc., dans les années 50, 40. Pourquoi on a créé ces programmes? La vie dans une société industrielle faisait courir aux travailleurs un certain nombre de risques. Donc, on a conçu que pour répondre à ces risques créés par l'industrialisation, on devait collectivement soutenir les gens qui en étaient victimes. On ne prenait pas pour acquis que les gens étaient responsables de leur propre situation. Aujourd'hui, on a beaucoup tendance à prendre pour acquis que les gens sont responsables de ce qui leur arrive et à leur dire, on va t'inciter à sortir de là en leur offrant pas tellement de bonnes conditions. Pour bien du monde, le chômage, c'est temporaire. Que ce soit en deux contrats pour un travailleur autonome ou quelques mois pour un emploi saisonnier, tu finis par accrocher. Mais qu'est-ce qui se passe quand tu arrives au bout de tes prestations? Il reste quoi? L'aide sociale? Quand ça fait 6 mois, 1 an, 2 ans que tu n'as pas travaillé, tu te sens inutile, bon à rien, fier à rien. C'est pas mal dur de retourner au travail dans ces conditions-là. Puis comment convaincre un employeur de t'engager? Quand tu crois même pas en toi. Pour être bien sûr, OK, avant de continuer plus loin avec d'autres critères, c'est-à-dire le système scolaire québécois, mon salaire minimum, mes conditions de travail, etc., pour être bien sûr que le domaine de travail que vous avez trouvé correspond avec vos valeurs, vos traits personnels, vos intelligences multiples, etc. Okay? Carrefour Relance, c'est un programme subventionné par Emploi Québec. Et on peut travailler avec ces personnes-là pendant 6 mois. Et t'as déjà été livreur? Oui. J'ai inventé le service après, puis c'est là que j'ai vu que j'étais bien là-dedans. Tous nos clients sont prestataires de la sécurité du revenu.
sont, selon la définition d'Emploi Québec, aptes à l'emploi. Mais aptes à l'emploi, ça ne veut pas dire que tu peux travailler demain matin. Tu aimerais retrouver ça. Je pense que dans ton domaine, tu vas le retrouver. Caractéristiques des gens sur la sécurité du revenu baissent de leur estime de soi, baissent de leur confiance en soi. Donc, il faut travailler là-dessus. C'est plus qu'un CV qu'on va, avec lequel on va travailler. Si tu avais su ça, Serge, avant de faire ton cours... J'aurais pas suivi de cours. Et voilà. On voit physiquement les gens changer à l'intérieur du 6 mois qu'on travaille avec eux. On a vu des gens qui se regardaient les pieds. Donc, la personne regardait par terre. Et lorsqu'ils sortent de Carrefour Relance, ils sont capables de te regarder dans les yeux. Léonie, qui est conseillère en emploi comme moi ici, elle a un volet particulier. Elle prend les personnes encore beaucoup plus loin. C'est des gens qui, pour différentes raisons, vivent un stress récurrent qui font en sorte qu'ils ne pensent même pas qu'effectuer un retour sur le marché du travail, c'est pour eux autres. Avec Léonie, j'ai commencé au mois de janvier 2009. Ça se divise comme en deux parties. 10 semaines avec Léonie. C'est basé sur l'être humain, si tu veux. Parce qu'à un moment donné, quand ça fait longtemps que t'es pas sur le marché du travail, puis ben, t'es un peu déprimé. Là. Tu perds les notions, tout ça. Puis c'est ça, dans mon cas. Puis on m'a aidé beaucoup là-dessus. Puis j'ai réussi à m'en sortir. Puis la deuxième partie, ça, c'est plus basé sur la recherche d'emploi. Les normes aujourd'hui, les nouveaux CV, question d'habillement, de présentation. Il y a beaucoup de gens, en partie comme moi, c'est plus facile de contacter un employeur par téléphone, ça, puis des recherches d'emploi, là, puis par l'Internet, puis tout ça. Ça m'a aidé beaucoup à m'en sortir. Ça demande beaucoup de travail, en fait. Ça demande du travail sur soi, en fait, de retourner sur le marché du travail en prenant conscience de ses comportements. Donc, c'est un travail personnel, ça demande des efforts personnels pour ça. Ce qui fait qu'André, lui, maintenant, il a continué sur une formation. Enfin, il a fait le programme chez Carrefour. Ensuite, il a fait un programme de préparation à l'emploi régulier. Ensuite, il est passé dans une formation et maintenant, il a un emploi. Ça, c'est des vrais cheminements où, nous, pour nous, ce sont des réussites. Si tu t'en vas en création, tu vas retrouver ça. Okay. Si tu vas au niveau de la culture ou des arts, au niveau de la planification d'activités, tu vas retrouver ça également. Bertrand, okay. C'est une autre problématique. Bertrand a fait a travaillé dans le milieu artistique pendant plusieurs années. Sauf que ça ne fonctionne plus. Il a été coiffeur, milieu artistique. Il a été figurant, il a fait des spectacles, etc. Sa grosse problématique avec Bertrand, c'était de faire le deuil de ce métier-là. Ça prend vraiment la réorientation avant de se lancer dans quelque chose. Parce que tout seul, t'as beau avoir de l'expérience de la vie, mais t'as pas l'expérience dans tous les domaines des métiers. Tu sais pas c'est quoi. T'as beau dire, je vais choisir, chauffeur d'autobus. Ben ouais, mais faut t'aider de l'entre-gens, t'as un paquet. Puis ici, quand ils nous demandent des fois de choisir des métiers puis d'aller les explorer, ben tu y vas puis tu poses des questions puis des fois t'as des drôles de réponses parce que tu te dis, hey, c'est pas ça, je pensais pas en tout qu'il fallait que je fasse. Ici, on passe beaucoup de tests. Moi, les miens, ils étaient très diversifiés parce que j'ai un côté artistique, mais j'ai quand même un côté qui est très rationnel. Donc, ça a sorti côté artistique. J'ai fait ce que je pouvais là-dedans. Ça n'a pas débloqué, fait que ça n'a pas donné rien. Fait que j'ai pris le deuxième choix qui est devenu mon premier choix, qui était chauffeur d'autobus ou camion. Finalement, j'ai opté pour camionneur. L'altruisme, ouais. Ça revient. Ouais. Depuis un an, on a travaillé sur des ateliers sur la résilience. Des gens qui sont capables de travailler, qui sont des excellents mécaniciens, mais que lorsque vient le temps de parler de ses compétences à un employeur, ils sont pas capables. D'être confiant dans ce que je fais. Donc, eux autres ont essayé de se trouver un emploi. Échec, échec. Écoute, on a vu des clients, ils disent, écoute, j'ai envoyé 200 CV. J'ai pas eu une réponse. OK. Est-ce qu'un organisme qui aurait regardé ton CV t'aurait peut-être aidé? Oui, mais là, il est rendu loin, là. Ce qui fait qu'à un moment donné, à force de te faire taper ses doigts, de dire, désolé, on t'a pas pris. Mais là, on t'arrête. C'est comme dans n'importe quoi d'autre. Si t'as pas de valorisation à faire quelque chose, tu vas arrêter. Et la recherche d'emploi, c'est exactement la même chose. Quand t'arrêtes de travailler, tu sais, c'est comme... Peut-être moi aujourd'hui, tu sais, mais pour une certaine génération, là, c'est comme... C'est
tout le château s'effondre. T'sais. Tu te définis par ton travail. C'est pour ça, moi, je dis, si on peut être multiple, tant mieux. Je dis, oui, le travail est là, mais tu peux te définir par d'autres choses. Tu peux te définir par tes aspirations, par tes rêves, par tes lectures, par ton goût. Mais à la base, c'est évident que pour la génération de mon père puis des oncles, tout ça, quand le travail tombait ou quand tu cessais de travailler tranquillement, là, je veux dire, c'était comme... C'est une grande tristesse. Une grande tristesse parce que j'ai toute la valorisation de la personne, de sa personne, commence à se dégrader, tu sais. Puis le milieu aussi. Le milieu renvoie cette image-là, tu sais. T'es sans travail, tu sais. Là, tranquillement, là, ça fait, t'encaisse, mais à un moment donné, tu sais, toujours encaisser une image qu'on te renvoie, tu sais. Tu travailles pas, tu ne vaux rien. Je pense que c'est ça qui devient insupportable. C'est ça qui est dur pour le monde, tu sais. J'ai eu une deuxième entrevue pour un poste à la maintenance du McDo. Et là, j'ai rencontré l'assistant gérant, lui que j'avais rencontré la première fois, et le gérant du McDo. Et là, ben, on a eu à peu près le même genre de discussion. Donc, ils voulaient rapidement que j'aille. Eux autres, ils ont un site, ça s'appelle Embauche pour gagner. Le titre, là, c'est www.arringtowing.com/apply. C'est un test psychographique. C'est une cinquantaine de questions que je vais remplir. Et eux autres, suite aux réponses que je vais donner, ils vont voir si je corresponds à l'emploi ou aux valeurs de McDo, je ne sais pas, mais avec ça, ils vont déterminer s'ils poursuivent la démarche, s'ils m'offrent quelque chose ou si tout simplement ils arrêtent les démarches. Alors, la première question, c'est peut-être au cours de la dernière année, combien de fois avez-vous été en retard au travail? Alors, moi, je suis un gars qui est très ponctuel. Alors, une fois, je pense que c'est crédible, puis c'est vrai. Bon. Vous êtes occupé, un de vos collègues vous dit qu'il a besoin de votre aide pour un moment. Que seriez-vous plus susceptible de faire? Aider mon collègue quand je le pourrais, arrêter ce que je fais pour aller l'aider, dire à mon collègue que je ne peux pas l'aider, trouver un moment libre pour aider mon collègue ou faire semblant de ne pas avoir entendu sa demande? Ben, moi, je vais aider mon collègue quand j'aurai le pouvoir. Hein? C'est comme ça. Je perds souvent patience avec les autres. C'est vrai, ça. D'accord. J'ai terminé cette section du test. Nous entrerons en contact avec vous pour faire part des prochaines étapes. Fermez la session. Voilà. Attends. Le temps passe pas vite quand t'es au travail. Tu regardes ta montre. Tu rêves aux prochaines vacances. À la fin de semaine qui s'en vient. Attendre. Mais le temps passe pas plus vite quand t'es à la maison. Quand t'es à la maison à rien faire. Attendre. Attendre que le téléphone sonne pour une job. Attendre. Surtout quand t'as besoin de cet argent-là pour finir le mois. Il me reste 50 piastres. J'ai déjà commencé à regarder là, des endroits où avoir des sacs de nourriture ou des... J'ai trouvé une place pas loin, je pense. Je pense que c'est pas loin, avec des bons d'achat. Ça, c'est cool, parce que tu peux choisir, tu sais, qu'est-ce que t'achètes. Si je peux pas en avoir des sacs de manger puis tout ça, ben là, ça va commencer à me stresser, là. Puis si je peux pas me trouver de petits boulots, ben ça va être tight. Puis est-ce que changer mon vélo, là? De ce temps-ci, là, moi, je déjeune. J'en mange pas, là. J'en mange le soir, OK? Donc, tu sais, j'ai tout le temps faim. Puis parce que je me dis, bon, des fois que j'ai pas de job, il faut que je m'organise ce qui me reste, puis il m'en reste pas épais, tu sais. Ça fait que d'être capable de, comme à soir, là, je voulais m'acheter de la bière. Fait que là, je me suis acheté de la bière. Je me suis payé de la bière. Mais c'est parce que je sais que je vais probablement travailler aussi que là, je me suis permis ça. Là. C'est comme si, OK, correct. Un petit lousse, c'est ça.
Puis moi, je regarde, là, j'ai peut-être 15 CV, là. J'ai eu un appel seulement sur 15 CV que j'ai donné, dans le sens que quand sur ton CV, t'as pas grand-chose. Parce que sur mon CV, bon, ben, c'est pas éloquent, là, ce que j'ai. Donc, les gens, pas sûr qu'ils courent après toi pour t'appeler. Alors, ce qui te reste dans ce temps-là, ben, c'est des petits jobs. Bon, ben, mauvaise nouvelle pour Pierre. On sait pas si c'est parce qu'il s'est planté au psychotest, mais toujours est-il qu'il n'a pas eu un job. Et comme il n'y a eu aucun retour d'appel pour les applications, bien, c'est un peu comme l'instinct de survie qui embarque. Pierre, c'est un gars débrouillard. Fait qu'il s'est trouvé une job. On a failli pas le savoir. Ni le ministère du Revenu, d'ailleurs. Bonjour. Bonjour. Alors, il est 4h30. J'arrive de travailler. En tout cas, je suis arrivé il y a peut-être une heure. Première journée de travail. Alors, ça a bien été. C'est un travail. Ça commence de bonne heure. Demain, on commence encore plus de bonne heure. On va commencer demain à 6h30, peut-être même. Alors, ça finit à 3h, mais c'est ça, c'est physique. Hein? On est dans la poussière, on nettoie des racks dans un magasin qui va ouvrir d'ici quelques jours. Alors, on passe complètement à la toute fin pour qu'il n'y ait pas de poussière du tout quand ils vont mettre toutes leurs marchandises sur les racks. Alors, 10$ de l'heure. C'est pas déclaré, c'est au noir. OK, Pierre a travaillé au noir. On en est conscient, puis on va agir en conséquence. Je suis sûr que vous feriez la même chose. C'est drôle, hein? Il y a plein de monde qui connaît quelqu'un, qui travaille au noir, mais il y a personne qui les engage. En tout cas, pas nous autres. Si vous avez un certain revenu et que vous avez une personne qui vient faire du ménage chez vous, et que vous la rémunérez de manière directe, de personne à personne, c'est une forme de travail au noir. Si vous faites garder un enfant ou un animal de compagnie par une autre personne, dont le revenu va être augmenté par le fait même, et que vous la payez de main à main, vous participez au travail au noir. Si vous faites de la réfection domiciliaire, vous faites modifier votre cuisine, vous faites reprendre vos gouttières, votre toit, etc., et que vous payez de main à main, vous participez au travail au noir. Pour moi, c'est évident que ce n'est pas une spécificité des personnes à bas revenus ou en manque de revenus. On a même l'impression, on n'a qu'à suivre l'actualité, que les personnes à très haut revenu ne se privent pas de travailler au noir et de participer à de l'économie souterraine. Je pense que le travail au noir est très répandu dans toutes les catégories. Et évidemment, plus vous avez de revenus, plus vous savez comment échapper à la visibilité du travail que vous faites. C'est ironique un peu parce que je trouve que quand tu regardes des fois les gouvernements dans leurs actions, quand tu regardes des scandales sur le plan municipal, tu sais, tout ça, on dirait que c'est une incitation aux gens de dire « allez-y dans le noir, tu sais, allez-y, créez un sous-marché, créez un marché underground, créez quelque chose, tu sais, qui... » Il n'y a pas comme un désir collectif de dire on bâtit quelque chose, on s'en va vers quelque chose, on va. Fait que je dis, c'est sûr que ça appelle beaucoup d'ironie, tu sais. Comment ça se fait? T'sais, regarde ce qu'ils font, tu sais. Tu sais, le monde qui travaille dur, le monde qui travaille à la semaine, puis qui paye des impôts, puis qui. Où est-ce que l'argent va aller, tu sais. Fait qu'à un moment donné, quand tu vois ça, il y a comme l'écœurantite, tu sais, tu te dis, qu'est-ce qui arrive, tu sais? On dirait presque que c'est un incitatif à dire on va aller au noir, tu sais. Il y a personne qui gagne sa vie puis qui vit avec 592$. Oubliez ça, là, c'est impossible. Là. C'est impossible. Alors, c'est où tu vas chercher ton 200$ et plus. Puis jamais tu vas en avoir plus, ben le système ne te permet pas d'avoir plus que 792$. Donc, le reste, c'est forcément au noir. Au début du mois, on a donné à Pierre et Emmanuel un chèque d'aide sociale de 592$. En plus de ça, la loi leur permet de gagner 200$. Au-delà de ça, le chèque est coupé.
Comment pouvez-vous vous nourrir, vous loger, vivre à peu près décemment avec ce montant-là qui est environ de 2 à 3 fois inférieur au seuil reconnu de la pauvreté, c'est-à-dire au seuil qui vous permet de vivre décemment dans une société sans aucune limitation spécifique? Moi, le premier, évidemment que je vais essayer de chercher, si je suis un peu dynamique, ce que ma société me demande d'être. Va de l'avant, arrange-toi pour être un peu actif, proactif par rapport à ton revenu et à ton emploi. Mais c'est évident que je pratiquerai et que j'essayerai de ne pas déclarer ce qui va, de mon point de vue, de manière très illégitime, sanctionner cet effort que j'ai fait de m'en sortir. Moi, j'en entends plein qui disent « Jamais on va travailler au salaire minimum. Jamais, dans le sens que c'est pas vrai qu'on va s'en carcaner dans une job, se faire chier par un boss, perdre nos avantages, puis gagner pas plus d'argent en bout de piste. » C'est un peu ça, là. J'étais loin du citoyen modèle avant de contracter le VIH. J'ai contacté le VIH dans une bagarre, finalement, une rixe avec quelqu'un dans une taverne où je travaillais, justement, au noir. Moi, je suis considéré, genre, malade chronique par rapport à la sécurité du revenu, mais je suis toujours apte à travailler, genre. J'habite dans un HOM. J'ai, grosso modo, 250 $ de frais fixes pour le loyer ici, plus un téléphone, Internet, disons, 100 $, mais c'est 350 $. Ben, il en manque un peu. Dis-toi que je fais 850 $ par mois, le multiplié par 12, je fais à peu près 400 à 500 $ de plus. Mais 5-6 mois dans l'année, tu sais. Moi, je fais de la rénovation. Puis même si on me donne 15 à 20 heures par semaine, même si on me donne 20 $ de l'heure, on est loin, genre, de l'espèce d'image que les gens qui travaillent au noir, bon, on est au Mexique l'hiver, ben, c'est pas ça du tout, là. Si je veux travailler en haut de la table, je dois comme partir à un certain revenu que, calculant mes frais fixes, que ça vaille la peine. Parce que sinon, c'est travailler pour subvenir à mes besoins, ce qui est comme peut-être noble, genre. Mais qu'est-ce qui se passe si je tombe sur un employeur, puis à un moment donné, ma santé va pas bien? Moi, à un moment donné, au bout de 20-25 ans, j'ai le goût d'aller lire un livre. J'ai le goût d'écouter de la musique, j'ai le goût de voir des amis. J'ai pas le goût de faire, en tout cas, de la construction pendant 6 heures. Genre. Rentrer dans le système, là, commencer à payer des taxes, avoir 2,1 enfants, là, tout ça, le bungalow. Là. Je vais passer mon tour parce que je trouve que à chacun son parcours. On peut sortir d'où je suis, là. Si je veux, je vais y arriver, là. Jusqu'en ce moment, pour moi, c'est confortable d'être là, genre. Pour moi, travailler au noir, c'est ça. C'est une solution temporaire et non une fin en soi. Pour aujourd'hui, ça marche. Demain, j'ai dit que je rentrerai à 8 heures, mais demain, c'est une autre journée. Travailler au noir, ça sert plus l'employeur que le travailleur, pour la raison suivante. Si vous ne déclarez pas vos revenus de travail, vous n'avez pas de prélèvement par l'employeur de cotisation sur votre paye, mais aussi vous vous privez de la contribution que l'employeur fait à un régime d'assurance chômage, à un régime de rente de retraite et même à la Commission de santé et sécurité du travail. Donc, si vous arrive ce risque ou au moment de votre vieillesse, sur quoi pourrez-vous compter? J'ai grandi dans un milieu ouvrier. Mon père puis toute la famille chez nous, ça vient du milieu ouvrier. C'est de l'Est de Montréal. Pourquoi les chanter? Parce que, justement, je trouve qu'on fait beaucoup de hiérarchie vis-à-vis des métiers. On fait beaucoup de hiérarchie au niveau du travail, tu sais. Comme s'il y avait un travail plus noble qu'un autre, tu sais. Puis ça m'a toujours révolté, tu sais. Le manque de respect aussi qu'on pouvait avoir vers celui qui travaille... École bleue, ceux qui travaillent au quotidien de cette façon-là. Fait que les chanter aussi, pour moi, c'était une façon aussi de donner la voix à cette génération-là. En plus, j'avais des oncles qui ne savaient ni lire ni écrire. Fait que je disais, les chanter, ça avait encore plus de signification pour moi. C'était de dire, bien, regarde, je vais casser cette chaîne-là, là, puis moi, je vais mettre des mots sur ce qui n'a pas été dit. Pendant que Pierre travaille en dessous de la table, Emmanuel aimerait bien mettre quelque chose à manger sur la sienne. Et quand tu veux gagner de l'argent vite fait, il existe des raccourcis auxquels des milliers de personnes font appel à chaque année. Ça s'appelle les agences de placement.
découper des petits... des petites choses dans les... dans les journaux que tu peux trouver dans le métro, etc. Là. Ça fait que... on va voir qu'est-ce que ça va donner. Travail Global, c'est une agence de placement. Alors, notre travail, c'est qu'on fait le lien entre l'employeur qui cherche des employés et l'employé qui cherche un travail. Alors, quand vous cherchez un emploi, vous venez chez nous. Et quand aussi les clients cherchent du personnel, ils nous appellent, ils viennent aussi chez nous. Donc, vous remplissez ici toutes vos informations, l'adresse, qu'est-ce que vous demandez comme travail, okay. Puis vos disponibilités ici. OK. C'est bon? Merci. Quand les gens viennent chez nous, ces gens remplissent d'abord une application. Une fois l'application remplie, cette personne rencontre un recruteur. On voit si le candidat a le profil. Si ce candidat a le profil, on l'appelle dans les prochaines 72 heures pour lui proposer le travail. OK, c'est beau. Puis, pour le téléphone, c'est-à-dire, est-ce que vous avez un téléphone à la maison, un cellulaire? Puis comment puis-je, c'est-à-dire, si jamais on veut vous appeler, comment on peut faire? Il faut que moi, je vous appelle. OK. Bonjour. Bonjour. Emmanuela Chapados? Oui. Bonjour, moi, c'est Claude Saint-Louis. Ça fait plaisir. Asseyez-vous. Merci. C'est quel type d'emploi que vous recherchez? Honnêtement, je cherche quelque chose que je peux faire rapidement, puis qui me permet de boucler la fin de mois, là, vraiment, là, si ça existe, quelque chose comme ça. D'accord. Et j'ai vu ici que vous pouvez travailler le jour, le soir, oui, et la fin de semaine. Oui. Le jour, pour vous, c'est de quelle heure à quelle heure que vous êtes ici? Si c'est près de chez moi, ça peut être à 8 heures, mais si c'est loin, il me faut quand même que j'aille du temps pour me rendre, parce que j'ai juste seulement un vélo. D'accord. Très souvent, c'est une question de distance. On dit à la personne, est-ce que vous êtes prêt à travailler? Voici ce qu'on a à vous proposer. Si cette personne, je prends un exemple, quelqu'un qui habite à Rigaud et on lui propose un travail à Montréal, il y a une forte chance que cette personne va nous dire non. Mais malgré tout, on a un service de transport. Hein? On fournit un service de transport à tous nos employés. Ça veut dire que si cette personne veut du travail, on lui propose notre service de transport qui est complètement gratuit. Vous n'avez jamais travaillé dans une usine dans votre vie? Jamais, non. Et si je vous propose quelque chose comme ça? Oui, non, je suis prête à faire. Prête à faire? Oui. L'emballage, l'assemblage, l'étiquetage, aucun problème? Aucun problème. Aucun problème. Alors, ce que j'ai à vous offrir, c'est un travail au salaire minimum. OK. À peu près 9,50 $ comme ça de l'heure. OK, ici, c'est ça. Ça commence à 8 heures, ça se termine à 16 heures. OK. Du lundi au vendredi. OK. Ça peut vous intéresser? Oui. Pas de problème? Pas de problème. Good. On trouve vraiment du meilleur comme du pire dans les agences de placement. Emmanuelle, elle, est bien tombée. C'est pas la job la plus stimulante. Elle a gagné 60 $ pour 6 heures d'ouvrage, mais au moins, elle a travaillé. Et ça, ça lui fait un grand bien, à son portefeuille comme à son moral. Le travail est un agent d'intégration sociale. C'est une dimension fondamentale qu'on évoque très peu, qui ne sort pas dans les statistiques. C'est-à-dire que le travail est producteur de sens. Producteur de sens, de réalisation de soi, de reconnaissance dans la communauté qui est la nôtre. C'est pour ça que, personnellement, je soutiens énormément tous les groupes, toutes les stratégies d'insertion en emploi, telles que le groupe des petites mains qu'on voit ici. C'est une véritable opportunité pour les personnes, et toutes le reconnaissent, non seulement d'apprendre un métier, mais de se réaliser, d'exister face à la société qui vous demande d'être un contributeur actif dans cette société. Mon premier travail, c'est chez Petite Main. Ici, j'ai trouvé une autre famille parce que je viens de Pérou. Avant, j'ai étudié le français. Après, j'ai resté à la maison avec mes enfants. Avant de venir ici, oui, j'ai reçu l'aide sociale pour longtemps. J'ai décidé à moi maintenant, je vais faire quelque chose. Je vais sortir pour travailler. Le but, c'est de m'intégrer et trouver un travail après cette formation. Je ne vais pas rester à la maison, dormir. Mais non, il faut bouger. Ici, je suis très contente parce que dans l'aide sociale, je ne peux pas acheter grand-chose. Je me débrouille comme dans mon pays. J'ai fait d'économies, j'essaie d'acheter les nécessaires. Tout le temps, si mes enfants me disent « Maman, j'ai pour ça, j'ai pour ça », je dis « Non, non, après ». C'est ça que ma fille, la grande, dit « Maman, avant, toi, toujours dit « Non, non, non ». Maintenant, c'est différent. Il faut s'adapter, il faut travailler pour avoir de l'argent et gagner ta vie. Et
et que, dont tu penses des rêves, les réaliser. Ben oui, la vie, c'est ça. Il nous sourit, nous aussi on sourit, la vie. Il n'y a pas de job inutile, tu sais. Puis la chose que je supporte le moins, c'est le mépris qu'on peut avoir vis-à-vis une hiérarchie, tu sais. Quand je vois ça, là, quand ça se passe devant moi, devant mes yeux, là, je dis, je suis hors de moi, tu sais. Quand on va avoir du mépris pour une personne à cause de la job qu'elle fait, tu sais. Respecte le monde qui sont là. Respecte celle qui travaille, qui vient te servir ton assiette, tu sais. Respecte son travail. Respecte qu'est-ce qu'elle fait. Elle gagne, c'est difficile ce qu'elle fait, tu sais. Puis. C'est le minimum qu'on peut donner, c'est le respect vis-à-vis ces gens-là. Il faut aborder la question du statut du travail dans la société dans laquelle on se trouve. Cette société valorise énormément le fait d'être au travail. Ça fait partie de votre dignité, ça fait partie de votre honneur de travailler et de ne pas dépendre de l'aide sociale. Combien de fois j'ai entendu parler « Ouais, mais ça vaut-tu vraiment la peine financièrement d'aller travailler? » OK, tu vas avoir de la réponse. Parfait, on va le calculer. OK? Supposons là, que tu es au salaire minimum. Voici, OK? Alors, tu n'arriveras pas beaucoup. OK? Mais c'est plus que l'aide sociale. C'est deux fois plus que l'aide sociale. Et ça, c'est la porte d'entrée. Penser. Ça ne veut pas dire que tu dois, un, avoir un emploi au salaire minimum. Et deux, si tu es toujours à l'extérieur du marché du travail, tu ne peux pas te faire de réseau. Tu ne peux pas changer de job. Tu ne peux pas améliorer ton sort tant que tu es à l'extérieur de ça. Ça fait très du bien parce que ça m'enlève un petit poids, hein? Puis là, ben, je pense que je peux me permettre une petite gâterie. Chocolat. Érable, dans le fond. Je prendrais juste 5 degrés de plus puis le soleil. Je serais heureux. Si on laisse se développer toute une frange de travailleurs faiblement rémunérés, avec peu d'accès au régime de protection sociale, on se prépare probablement une génération de retraités pauvres qui n'aura ni régime de retraite d'entreprise, qui n'aura pas pu économiser dans des REER, qui aura un très faible taux de remplacement du revenu par le régime des rentes du Québec ou le régime de pension du Canada. Alors, pensons-y. On dit toujours qu'il ne faut pas demander aux entreprises de payer, mais qui va payer? C'est l'ensemble de la société qui va payer si on a des retraités pauvres ou si on a des familles pauvres ou des enfants pauvres. Les enfants pauvres ont des parents pauvres. C'est ça, la réalité. Je ne dis pas que dans la vraie vie, je calcule pas. Oui, je calcule, mais jamais comme ça. Là. Jamais. Puis bien des fois, quand tu dis pas, tu calcules. Fait que le 4,90 quand même, là, pour ce que ça procure, c'est un bon ratio prix versus satisfaction. Alors, qu'est-ce qui vous amène? Ce qui m'amène, c'est que j'ai juste 20 $ de reste pour le mois. Comment? J'ai juste 20 $ de reste pour le mois. Au cours du prochain épisode, Emmanuel entrevoit difficilement la fin du mois et demande de l'aide alimentaire. Je peux vous donner un bon de 30 $. OK. Et vous pouvez aller dans les magasins ici à Outremont, de près de chez vous, c'est PA. OK. J'aimerais ça faire des petits jobs, mais c'est pas moi qui ai le contrôle là-dessus, hein? Ah, ben demain, c'est le chèque. Demain, c'est le chèque. Ben oui, vous devez... j'ai eu mon chèque de 592 $. Quant à Pierre, une mauvaise surprise l'attend quand il reçoit son nouveau chèque d'aide sociale. Oui, Marc, c'est Pierre. Ça va pas tellement bien. Ben, tu sais, il manque de l'argent sur le chèque.